Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Vision 2000 à l'heure de la rubrique invité du jour. Je veux dire, c'est jeudi saint, on joue avant vendredi saint. Jeudi saint, c'est le jour sacré pour les chrétiens catholiques qui célébrent la scène, C-E, accent grave, N-E, le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Et mettez projecteur dans l'émission ça sous cardinal haïtien Chibli Langlois. Le chemin parcouru par frère Chibli pour être cardinal et à travers le livre de Patrick Harris. Monseigneur Patrick Harris, titre livre là c'est Chibli Langlois, cardinal haïtien pour l'Église, publié en 2019 par les ateliers Saint-Benoît. Place à cette entrevue réalisée avec Monseigneur Harris. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Bonjour, bonsoir Marie-Lucie. Un plaisir et un honneur. On pose une question qui concerne le titre du livre, Chibli Langlois, cardinal haïtien pour l'Église. Pourquoi cette précision? Alors, le titre, on connaît ça bien au plan éditorial. Lorsqu'on écrit un livre, titre lui-même, il a un droit, soit il a un tête, ce n'est pas nécessairement qui allait sous couverture, là, pour X raisons. En termes de Jean le Sonnet, publicité, réception au niveau du public, aussi marketing de l'éditeur, dans tout ça. Sauf que le titre, eh bien, il était concocté entre moi-même, cardinal là, et puis quelques amis pour nous rejoindre. Bon, on était d'accord sur trois choses, à savoir que le cardinal sera à l'intérieur du titre, Haïti et l'Église. Donc, là, nous finissons joindre trois éléments substantiels, on y a automatiquement, nous cherchons un titre qui était cadré avec ça, livre-là, lui-même, il était gagné comme objectif, ou bien ça le gagné comme fond en tant que tel. Oh. Bien entendu, je m'excuse, bien entendu, titre-là, on ne titre pas toujours obligé, objectif. Ligue un droit suggestif de préférence. Ça veut dire qu'il suggérait quelque chose, ça veut dire qu'il voyait non direction et puis pour le fouiller davantage. Est-ce que livre ça, ces décisions Patrick Harris, Monseigneur Harris, c'est l'Église catholique qui va nous faire ou bien c'est cardinal là lui-même qui dit Monseigneur Harris, nous pourrons faire livre ça pour nous permettre et population connaît qui est ce moyen qui bon sorti pour moi arriver là à côté de moi. Non, livre là de toute façon, il entraîne un projet global d'écriture moi. Parce que de toute façon, pas écrivain professionnel dans le sens que c'est ça me fait comme métier, mais métier écrivain, m'a dit moi là dedans assez longtemps. Donc dans ce sens ça c'est pas ma première publication ou comme ça tout. Mais sauf que livre ça c'est une décision nous prend moi-même ensemble avec cardinal là le par exemple nous t'a partagé quelques informations par rapport à un certain nombre de problèmes de l'Église et puis donc là ça nous vient tomber d'accord ben nous qu'a font livre. Nous t'ai un projet fait un livre qui pour sortir en 2017. Parce que nous t'ai dit après 3 ans de cardinal là n'a fait livre là sorti. Voyez-vous mais bien entendu livre là pas arrivé sorti dans le nous t'ai prévu hein, pour plusieurs raisons. D'abord, il fallait coordonner les séances de travail, il y a aussi les priorités au niveau pastoral et en troisième lieu donc nous avons travaillé sur l'autre livre pendant ce temps qui est en sortie, c'est-à-dire la foi à l'épreuve du quotidien que vous aviez reçu. Donc, ça veut dire la foi à l'épreuve du quotidien commencer après livre ça. Et puis donc, mais à un certain moment de la durée, je m'étais dit, parce qu'en fin de compte, difficulté à pour livre ça, c'est non moins en première sortie, du fait que d'abord je ne voulais pas faire une biographie. Ensuite, je ne voulais pas faire un livre de théologie. Et en troisième lieu, je ne voulais pas non plus faire une sorte de chronique, c'est-à-dire donner des informations par-ci par-là sur le cardinal et puis ça va passer. Donc, je voulais vraiment faire un livre. Et pour que ce soit ou bien ce fût un livre, eh bien, il fallait que normalement, on joigne le mode de triture qu'il fallait. Et c'est ça que fait, moi, choisi un mi-chemin, c'est-à-dire entre la description, entre la théologie et bien entendu
des éléments biographiques au service d'un projet d'écriture. Un livre, ça doit traverser le temps, l'espace. Après 10 ans, après 15 ans, on doit y revenir pour trouver des informations. Et ces informations doivent t'aider à penser et peut-être tout inspirer. OK? Donc, c'est ça un livre. Donc, dans ce sens-là, c'est chaque fois qu'un auteur a écrit, son vœu, c'est de pouvoir faire un livre après avoir écrit. D'avoir gardé le parcours, cardinal Langlois. On est capable d'étonner que un monde qui a Chibli Langlois décide de faire type de confession, ça, c'est-à-dire entre guillemets pour niveau l'irrivée. Mais ça fait partie de la grandeur. C'est-à-dire que quelqu'un est grand lorsqu'il est capable de rester toujours au même niveau où il était dans ses références essentielles. Donc, ça veut dire que ça n'a pas qu'à changer. Bien entendu, un homme comme Jean-Paul Sartre eut à dire qu'on peut changer son passé. Dans certaines visions, une certaine vision des choses peut nous aider à comprendre qu'on peut changer son passé et même aussi son avenir. Mais ce n'est pas dans le domaine ça à nous. C'est-à-dire, le fait brut demeure un fait brut. Dans le sens ça, que cardinal Lassemoun va aller dans une zone autif, il n'y a rien qui a changé dans ça. Que le cardinal là, c'est un monde qui, à un certain moment de la durée, il n'y a pas de 5 ans pour l'école, parce que parents n'ont pas de 5 ans, papa mourit, maman n'a pas de 5 ans. Il n'y a pas de changer rien ça. Mais il a servi à ça, il n'y a pas de changer ça. Et que le cardinal là, à un certain moment de la durée, il fait classe 4e secondaire 3 fois, mais il n'y a pas de changer rien dans ça. C'est des faits bruts que vous avez. Mais non! C'est que l'ITK a transcendé, l'ITK a allé au-delà, l'ITK, elle était difficile pour lui pour le décider, pour le faire en classe 3 fois, alors que lui connaît, lui vaut plus que ça. Alors là, il lui fallu un dépassement, et me connaît dans le moment ça, même s'il n'a pas de courage de dépassement ça, mais il a eu un sur route pour aider le faire dépassement ça, et me pensais que c'était ça qui permet que je dis à. Alors, disons la chose, Dieu s'est servi de ça. La providence s'est servi de ça pour nous donner cet homme que nous avons aujourd'hui dans l'Église. Il y a un monde qui joue un rôle important, et dans la ville qui convaincu, c'est Monseigneur Laroche. Il clique là. Li sorti là parce que le refait classe à 3 fois, ça permet li et li entrer dans le séminaire Collège Saint-Martial pour devenir séminariste. Et là, m'envie dit, c'est là commencer la lumière là, en quelque sorte. Oui, alors maintenant, moi, je t'arrête les, c'est-à-dire étape Monseigneur Laroche là comme, comme deuxième déclic. Là. Parce que le premier déclic là, il était quand même le fait que l'on était rencontré avec Père Florian. Et qui lui-même, parce que rencontre avec Père Florian est déterminant. Et vous pouvez imaginer pour un jeune homme de 17 ans qui n'a pas aucune référence particulière pour qui t'a fait lui présenter devant un curé pour lui dire que lui voulait faire paix sans autre motivation que lui était ouais, que son bagage lui remet de but en blanc. Le Chibli dit maman comme ça, lui voulait aller dans le séminaire. Maman, c'est tant qu'on lui mettait la genou, elle dit, pas le faire monte. Ça veut dire, pas à l'école dans l'église, à profiter de l'église, et puis qu'on n'y a ou pas de vocation. Ça, c'est un. Deuxièmement, dans le cas Chibli, il faut qu'on connaisse Marie-Lucie comme on lui livre là bien. Il n'y a pas de jambes qui lui défait paix. Jamais. Ça veut dire l'idée fait paix à l'ipral paraît tant qu'on t'explique dans le livre là parce que le monde qui se séminarise saute fait commission il y a descend à la ville et puis un monde dit comme ça lui-même lui semble en séminariste donc il pas de jambe l'idée à. Donc s'il pas de jambe gain l'idée à son monde qui mettait dans tête lui maintenant c'est le travail de la providence qui passait dans lui qui parce que providence servir avec Salvelé Jean Levlé n'importe qui est à n'importe circonstance. À partir de ce moment, là, Livin rend compte qu'il y a quelque chose qui l'attend. Faut que moi dis que Chibli Langlois levé non famille côté tout le monde c'est chrétien. Ouais, tout le monde yo très 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 proche l'église, l'église là pas trop loin village là et puis il y aller y voir dans paroisse Font-Baptiste. Et Marie ma tante client c'est directeur chapelle, lui c'est assistant directeur chapelle. Tout ça, donc ça veut dire que l'itinéraire ambiance qui fait que affaire bon Dieu, affaire l'Église, c'est pas un bagage qu'il pas connaît. Sauf que
question père et pas question parle littéraire jusqu'à ce que bon Dieu choisisse moyen parle pour le faire question ça vient donner question parle. Mon parcours semé d'embûches, mais bon Dieu mettait sous route Chibli l'angloire et des mondes pour à chaque fois peut-être les parler route là et puis guider. Oui, ça, tout à fait. Donc moi me penser d'abord le fait que Chibli l'angloire quitter la vallée et puis l'aller de préférence y voir, moi même penser c'est le premier coup de la providence. Ce que je n'ai pas dit directement à l'intérieur du livre. Même penser c'est ça. C'est-à-dire la décision de laisser l'autre bois et la vallée pour aller y voir, bon, il n'y a aucun sens si vous cherchez un sens logique, vous comprenez? Parce qu'on est mieux que chez soi. Mais l'aller là, l'aller joindre ma tante li, peut-être certainement l'idée qu'on est, il va venir nous déboucher plus facile, mais peut-être tout. Moi, je l'ai dit comme ça. Peut-être tout, c'est on honte pour le tâtonner dans la zone non, tant qu'un jeune homme qui n'a pas à l'école et puis qu'on y a sans projet, sans vision, évader le nom l'autre lieu côté yo pas qu'on aime tellement et côté tout, li ka gen possibilité pour mener la ville paisiblement, li te pis simple pour lui. Ça veut dire sans gros réflexion et sans analyse, il faut le dire comme ça. OK? Donc pour moi-même c'est ça, c'est-à-dire la providence, Dieu s'est servi de ça et maintenant le reste peut venir automatiquement comme par surcroît. On regarde, c'est-à-dire des mondes ou bien des personnalités qui comptaient dans la vie de Chibli l'angloire. D'abord, c'est sa grand-mère. Grand-mère paternelle qui lui-même était toujours à l'hôtel et puis qui mettait le sous-jambe pour apprendre la prière, apprendre notre Père, je vous salue, et je crois en Dieu. Donc, ça, c'est sa grand-mère. C'est ça que fait les grand-mères mourir en 1975. Eh bien, ça veut dire. Il était un plus gros coup pour lui parce que les papas mourir en 1969. Okay? Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, maman. C'est-à-dire, c'est une paysanne très simple, mais noble dans son comportement, dans sa foi de charbonnier en tant que tel. Donc ça, c'était très, très, très important pour lui-même que il était un maman comme ça qui toujours gardait comment pour pas faire famille en honte et comment tout pour faire volonté bon Dieu dans toute bagaille parce que plutôt perdit toute bagaille ou pas perdit bon Dieu. Et puis troisièmement, on va le gagner dette, c'est-à-dire Bernadette qui est sa tante qui était levée jusqu'à 5 ans et puis après ça il va le monter y voir le joindre et puis après ça on va le mettre monseigneur Laroche. Monseigneur Laroche qui c'est moun la vallée tout et puis qui était premier père qui était curé. Premier haïtien qui était curé Sacré-Cœur, premier haïtien qui était recteur grand séminaire, premier haïtien tout qui fait séparation entre faculté philosophie avec faculté en fait qui fait faculté philosophie exister en Haïti pour formation période. Donc c'est monde ça que yo te relé monseigneur Laroche papa Bonquet. Donc papa Bonquet ça même si monseigneur Chibli, même si Chibli l'anglois pas Moun la vallée, Père Laroche tape toujours qu'à aider parce que c'est qu'on s'est lié lui-même en tant que tel. Donc, on est capable de dire, élément ça a été déterminant dans le parcours. Parce que le par exemple, Chibli vient bloquer, si Monseigneur Laroche pas paraît dans la ville, eh bien, il n'a pas été dit tout. Il était déjà tellement en confiance avec Monseigneur Laroche du fait que c'est Moun la caille et tout. Ça veut dire, c'est bon, sentiment d'appartenance, quoi. Chibli l'angloire, il est bloqué parce qu'il est estimé trop âgé. D'abord, pas gain cob dit tout pour faire étudio. Mais il était bloqué pour entrer Saint-Martial parce que normalement, il était trop âgé à un certain moment de la durée. Donc, il était venu tant qu'il y a une vocation tardive. Mais il était bloqué surtout parce qu'à un certain moment de la durée, l'étape dit tête lui, est-ce que vraiment c'est là pour m'aller alors que il a négligé compétences moins bon pas bon bon pour que ça me pas passer les mal composés Saint-Martial alors que il a brillé dans l'école là côté le théâtre donc il y a toute c'est-à-dire psychologiquement parlant on m'a pas passé dans tête lui jusqu'à ce que on voit qui par lui-même qui arrive convaincre lui que normalement mais là il faut pas mélanger les choses avec comme si me dado bon Dieu ceci cela non comme si me dado bon Dieu relo non il faut rester dans le simple plan humain
Ça veut dire ou gon problème, ou chercher, ou casser tête pour voir comment solution en ka vini et puis pour est-ce que solution ça li ka marcher, est-ce que logique, est-ce que l'acceptable, ou comprendre? Donc est-ce que vraiment la permettre problème nan résoudre fondamentalement? Donc c'était ça. Mais pas oublier tant qu'on me dit dans le livre là, mais entrer au petit séminaire ne dit pas que le problème est résolu, parce que qu'on y en là gagne tout en façon pour qu'on dit pour vivre dans séminaire pour responsable vérifier tout bon vrai si c'est bon Dieu qui faut agir. C'est ça y aurait les vocations. Si c'est bon Dieu qui fait ou agir, si c'est bon Dieu qui bon mettez j'aime ça dans mon générosité ça dans mon pour capable servir l'église là et servir frère avec sœur yo, à partir de ce moment faut que responsable yo même yo capable ouais ça. Si responsable yo pas capable ouais ça, à partir de ce moment même sous ta dit ou gain vocation, l'église là lui même parce que pas qu'à vérifier ça, ça ne marche pas. Dans le livre, on dit que Chibli n'est pas brillant, mais intelligent. Il sait ce qu'il veut, il apprend tout. Ça mérite une explication, Monseigneur. Bon, il n'est pas brillant dans le sens que, on va parler de brillance, ou est d'abord lumière, ou attirer les feux de la caméra, si ou même. Donc, ce n'est pas style, vous comprenez? Intelligent, c'est-à-dire qu'il peut établir une amitié directe avec la chose qui est en présence, c'est-à-dire la réalité qui est extérieure à soi. On peut aller vers cette réalité ou bien on peut interpeller cette réalité de telle sorte que cette réalité fasse cette connaturalité. Comme Simdado, Livin nan ou, Livin ou même encore. C'est ça qui relie connaître, naître avec. OK, donc c'est ça être intelligent. D'une certaine manière, gen bagay qui pral tomber sous lit sans le pas chercher yo, et dans sens ça justement, il pas brillant parce que il n'attire pas automatiquement l'attention. Automatiquement l'attention. OK, ça c'est le premier bagay moi te voulais dire sous question à Marie-Lucie. Deuxième bagay moi te voulais dire connaît son vleya, c'est-à-dire ça fait de vous une personne volontariste, mais si, par exemple, la volonté n'est pas éclairée par l'intelligence, même si vous consolez, vous ne pouvez pas atteindre l'objectif là, non? À partir du moment où Chibli nan gloire le dit, cette direction, ça vous prend véritablement. Parce que au départ, par rapport à problème que famille de gagne, problème de gagne, la tâtonne. C'est à partir du moment où il comprend tout bon vrai que l'il a un séminariste. Mais là, yo, pas oublier tout ça, on va essayer d'expliquer là à Marie-Lucie. Tout aller venir ça, laisse sa vocation pour qu'on n'en baille là, dit tout. Aller venir ça, c'est pour Chibli, ouais, comment pour le sortir tête li. Comment pour, comme si Mdadjo, li partout, yon moun qui pa ka jamais réaliser, pour le pagé 5 hommes dans le monde, ça veut dire pour le mourir, même j'en papa le mourir. Ou bien encore pour le pa ka bédé maman, et puis pour rester moun yon pa ka l'école, ou bien yon commencer l'école, et puis l'école la pa ka continuer. Donc ça veut dire que tout ça le fait. Tout ça l'a fait, c'est en fonction de gagner en stabilité financière qui permet que, comme petit paysan, lui dit que gon certaine autonomie de fonctionnement li ka gagner, qui fait que li pa à la merci de la mendicité, ou bien encore li pa en garnement, on va ni pied, on pa connaît n'importe quoi. Donc, mais maintenant, une fois que li pral faire rencontre avec vocation, à partir de ce moment, ou capable de dire li pral orienter totalement vers cela, de telle sorte que il pas pral gagner l'autre horizon encore. Horizon le pral gagner, c'est ça, sauf ça le pral mettre à côté, c'est comment aider sa mère. C'est-à-dire pour que maman toujours était un monde qui digne, qui honnête, qui pas jamais fait ça pas ça à cause que problème l'argent capable de faire ou détourner de bon chemin. Mais à part de ça, il était vraiment tranquille sous route ça, faisant confiance certainement au Seigneur, mais tout a gardé propre tête pâle. À un certain moment de la durée, pour le connaître, est-ce que vraiment il est dans bon route là? Est-ce que ça veut dire, est-ce que ça responsable yo a tant de l'IA, est-ce que c'est ça lui-même lui fait correctement, de sorte que qu'on y a lui-même n'est pas trompé tête lui. Dans quel sens que Chibli nan gloire, séminariste, lui marqué supérieur hiérarchique? C'est très difficile à dire pour une raison simple. Là où on est supérieur dans un séminaire ou bien dans un petit séminaire, il est capable de classer en deux catégories en premier lieu. Catégorie de ceux-là qui sont intelligents
et catégorie de ceux-là, bon, faut y avoir besoin, on push pour y marcher en tant que tel. Ça, c'est une première distinction qu'a fait. On y a une deuxième distinction. Ou bien, ou une catégorie de nègres, dit, ah, vocation, monsieur Leclerc. Et puis, ou bien, ou bien, on série de nègres, ou dit vocation, mounsayo, yo pas clair, non, ça veut dire que mounsayo méritait encore discernement. Donc, ça veut dire, ou gagne deux colonnes. Ça veut dire, si on a deux premiers, non, numéro un, non, deux premiers colonnes, ça veut dire, ou correct net. Ça veut dire, ou gagne droit, ou intelligent, et en même temps, supérieur, ou non, ou yon moun qui gagne une vocation claire. Vocation claire, pas veut dire nécessairement vocation solide. Mm-hmm. Mais en fin de compte, Wall grand séminaire, c'est solidifier vocation, hein, de telle sorte qu'à un certain moment de la durée, on sait que vraiment Dieu a passé là et est passé à travers les responsables pour donner à l'Église un outil de choix, un instrument qui lui plaît. Dans quel tableau et dans quelle colonne Chibli Langlois est retrouvé? Je pense que les Chibli Langlois arrivés dans le séminaire, ils étaient vraiment un bon séminariste. Mais ils n'étaient pas nécessairement un élève qui était paraît intelligent tant qu'on a premier après. Parce que de toute façon, ils ont une grosse l'école. Ensuite, c'est quand même on l'école qui te prend la crème de la crème dans les années 60. Et en troisième lieu, bon, on a une intelligence pas, mais on va le frotter avec l'autre monde, on va certainement rendre compte que on pas plus fort que ça. Donc, ça veut dire que, mais c'est-à-dire que c'était on élève plus que moyen. Chibli Langlois devenu prêtre. Alors, pour Chibli Langlois vienne paix, ça veut dire que gagner en bonne étape pour dédouer franchi, mais c'est-à-dire la providence a facilité aussi les choses parce que le Chibli Langlois séminariste archidiocèse Port-au-Prince en tant que tel et puis qu'on y a pape Jean-Paul de Vigne créé le diocèse de Jacmel comme monde qui fait la vallée automatiquement dans le diocèse Jacmel, il était gain choix pour le rester dans le diocèse Port-au-Prince ou bien encore pour y aller dans le diocèse des Cayes. Pardon, dans le diocèse Jacmel. Bon, il était décidé d'aller dans le diocèse Jacmel. Donc, laissa il rencontrer un jeune évêque, Monseigneur Poulard. Guy Poulard, qui lui-même était fait arriver dans le diocèse là. Il est arrivé dans le diocèse là tout jeune tout. Donc, et puis, il est arrivé dans le diocèse là, pas gagné en pile père. Il n'a pas gagné, il était gagné seulement 12 pères dans le diocèse là, il est arrivé. Donc, on y en là, chaque monde qui a sorti dans le grand séminaire, Monseigneur Poula te chaud pour lui ordonner vite de façon pour qu'on y en là li gagner ouvrier qui allait dans travail là. Sauf que bien entendu Monseigneur Poula pas de gain l'idée par exemple pour lui ordonner père yon moun qui pas prêt. Moun qui pas prêt a vle di yon moun que grand séminaire pas ta bay avis favorable pour lui en tant que tel. Ça c'est premier bagaille. Deuxième bagaille m'ta capable di sou point ça toujours Marie-Lucie, c'est que gagner un document qui était publié en 1989, il y aurait les ratio institutionalis sacerdotalis, c'est-à-dire une sorte de livre qui dit mais comment pour yo former père kounia pour la décennie 90-2000, eh bien, il demandait pour après ou fin faire études théologie ou pour faire stage. Et stage là, il doit aller jusqu'à un an. Monseigneur Poulard lui-même, parce que il était besoin paix dans diocèse li et parce que il connaît séminariste li était gagné au sorti il était bail bon rapport pour yo li ordonné par lui tout de suite. Donc ça veut dire ça qui explique que Chibli Langlois ordonné un peu avant parce que il était gagné ordonné vraiment non pas en 91 mais en 92. Normalement il était dû ordonner en 92. Mm-hmm. D'abord il nommé le vicaire dans paroisse cathédrale, mais c'est-à-dire c'est la paroisse la plus, qui a la plus grande visibilité à l'intérieur d'un diocèse. Donc là, mais il était chanceux encore une fois, si nous voulons dire comme ça, parce que il était vicaire, yon curé qui se moun la kaye dit tout. Gaëtan Boussico, c'est vraiment yon pè la vallée. Donc ça veut dire en tête l'an te vini facile, d'autant plus que bon, Chibli, de par tempérament, donc ça veut dire que il était gen droit
accepter, entrer dans tout plan, dans tout projet que Gaëtan lui-même a gagné. D'autant plus que Chibli a une série d'expériences, l'élite jeune, ensuite l'élite séminariste, il n'a pas déjà quitté. Expérience fait catéchèse, expérience d'animation, expérience directeur, ça, chapelle. Donc tout le bagage, ça, le cognant lui-même, il vient de paix, il prend tout, il met tout au service du ministère pastoral, il prend le gagné comme paix. Donc là, ça, il n'a pas gardé. Et sans garder derrière le travail, la journée tant qu'on en nuit, sans arrêter. Donc, ça veut dire zèle, ça nous les zèles pastorales que tu déployé. C'est zèle ça qui pourra attirer l'attention l'autre monde, qui fait que normalement, Père Gaëtan lui-même te souhaité que yo voyez Jibli à l'étudier pour qu'il soit capable de faire un pic bon gens service dans l'église là en tant que tel. Aller étudier à Rome dans Latran. Alors, faut que moi dise auditrice auditeur, Latran, eh bien c'est le lieu où gagne jodi a yon université, mais avant c'était la résidence du pape. C'est là pape la terrété Latran. Et puis à côté de Latran, on gagne la cathédrale Saint-Jean qui est la cathédrale du pape. Nous toujours comme ça, moi me connais, nous dit ça assez. Pour moun yo konnen que la basilique Saint-Pierre n'est pas la cathédrale du pape. C'est-à-dire, l'évêque de Rome n'a pas la basilique Saint-Pierre comme étant sa cathédrale. Donc ça veut dire, là, elle est vraiment non lieu vénérable. Côté, il y a plusieurs conciles qui étaient faits. Côté, normalement, il y a plusieurs papes qui étaient résidés. Bien entendu, dans l'histoire de l'Église, là, surtout à partir du 19e siècle, où on retrouvait avec pape là qui était constitué tête les prisonniers au Vatican. Donc, le ça, bien entendu, Vatican vient pour le tourner vraiment la résidence du pape et la curie du pape aussi va siéger au Vatican. Mais avant, c'était Latran, toute bagaille ça a été. Comment vous venez ou évêque dans l'Église catholique? Grosse question, oui. Grosse question. Ça me dit c'est que gain plusieurs procédures normales ou gain dans l'Église latine, c'est que c'est le pape qui choisit cela. Pape là, il choisit non liste de trois, lista terna. Alors lista lui-même il établit par une procédure, il y aurait les procédures sub secreto. Ça veut dire que enquête là il fait. Eh bien, personne ne connaît qu'il est normalement, ou il doit interroger ou même. Mais depuis au fin d'interroger, pas connaît. Ça va le passer après. Donc ça veut dire processus là, ou pas connaît qu'il est processus là commence, ou qu'on connaît qu'il est commencé. Mais on ne doit pas connaître qu'il est commencé tout. OK? Mais ou qu'on connaît, il est abouti, seule les nominations en fait, en tant que tel. Donc ça veut dire, un, ou gagner un signalement, ça veut dire, ou bien évêque, yo, ou bien l'autre monde, ou bien non apostolique là, li wè tel monde, li pense moun sa li tem yon employé épiscopable, ça c'est un. Deuxièmement, yo décidé ouvè yon enquête sou moun sa. Troisièmement, moun sa la le non lis que nous rele Eterna ki gen trois noms. Quatre, lis sa li rive à Rome nan congrégation pour les évêques. Yo analyse l yo gade pou yo fè yon rapport sou li. 5 lisa la le joine pape la avec tout rapport a et puis pape la li même nan 3 sa yo li choisi moun li vle a. Donc proposition faite par conférence épiscopale là et puis et tout non apostolique là li joine rôle dans ça. Rôle principal là que non s'lan joué parce que non s'lan li même il faut que on comprenne li gagnent en double responsabilité. Li d'abord responsable pour li faire pont entre l'Église et l'État, le Saint-Siège. Et donc, ça veut dire ça, c'est un rôle ecclésial. Mais li gagnent un rôle tout pour li lier Saint-Siège avec l'État où la représentation diplomatique est assurée. Donc, sous deuxième aspect, nous n'avons pas besoin de rester sous lui parce que nous n'avons pas concerné pour qu'on y en là. Mais sous premier aspect, là, dans un pays, il y a pour garder comment l'Église l'a marché pour être capable de faire rapport périodique. Il fait rapport ça, il voit dans la secrétaire d'État au Vatican, dans la section 2.
dans la section 2A, qu'on y a eu pour un rapport ça, ça qui concerne tel dicaster ou bien tel congrégation ou bien souvle non profane dans le ministère, vous voyez directement la donne pour suivre lui-même les capables faites en tant que tel. Donc, c'est ordinairement, c'est ça qui fait. Donc, non seulement lui-même, li nan on pays pour faire deux travail ça au moins jour là, mais une responsabilité fondamentale que nous avons gagné, c'est permettre que l'église locale, ça veut dire l'église côté lié à li gagner de bons pasteurs, ça veut dire moun qui capable faire travail là tout bon vrai pour Jean Saint Paul comprendre ça dans première lettre aux Corinthiens chapitre 11 verset 28 pour dire moun ça li gagne ça nous relé le charisme de gouvernement. Donc chaque fois où on donne un moun diac ou bien paix ou bien un évêque ou bien yo vinn choisir comme pape, faut yo te vérifié dans mon ça ou même se dit là sous Saint Paul, ce que Saint Paul écrit, ça veut dire la personne a le charisme de gouvernement. Donc kounyan là non sans lui-même li gagne toujours pour faire vérification ça. Les li joine des moun, ça nous relait des candidats à l'épiscopat qui gagnent effectivement m'a dit qualité ça yo que bon Dieu mettait dans li, faut yo prendre qualité ça yo pour yo mettre au service d'un plus grand nombre. Alors c'est comme ça non cela lui même il joue un rôle vraiment fondamental là. Quand vous venez avec Foi Liberté ou dites vous lui retourner et la caille mais Chibilangwa qui ça qui t'a marqué véritablement comme évêque de Foi Liberté. Eh bien, ça qui marque comme évêque de Foi Liberté, c'est que d'abord c'est son apprentissage. Parce que là où vient évêque, où qu'on tout ça pour faire, parce qu'il y écrit dans le code de droit canonique de 1983 de l'Église, tout ça qui ministère évêque là, lit déjà dit. Et ensuite, il y a les directives de Rome aussi qui permettent que tout le monde connaisse ça pour faire. Mais l'on dans pastoral là directement dans diocèse avec le clergé, c'est là ça on va le connaître exactement. On dit ça pour faire et comment pour faire? Est-ce que c'est tel bagaille qui ca fait ou bien tel bagaille qui pas ca fait? Normalement, l'évêque dans un petit diocèse entre guillemets, côté la vie très difficile, en pile pauvreté et donc diocèse là et puis son diocèse qui jeûne tout. Pas oublier que diocèse ça, il était fondé en 1990 par le pape Jean-Paul II et premier évêque lui c'était monseigneur Hubert Constant. Donc ça veut dire lui-même il va arriver comme deuxième évêque diocèse là et donc diocèse jeune toujours. Donc ça veut dire bon bon problème qui peut qu'on résoudre. Donc ça veut dire lui-même lui jeune, diocèse là jeune et diocèse là il y a problème. Donc ça veut dire expérience lui c'est comment pour lui arriver marier deux bagailles qui a très souvent nous qu'on divisé à savoir le temporel et le spirituel. Ça veut dire comment faire pour faire payer vivre selon la spiritualité de l'Église et selon la doctrine de l'Église et en même temps pour permettre que Père Sayo pas mourir grand ou bien moun qui est fidèle yo même yo vivre dans ko fidèle malgré pauvreté que yo la donne. Donc expérience ça l'été une expérience qui est extrêmement enrichissante mais difficile pour lui l'elle rivé et heureusement il a une collaboration clergé parce que faut que moi Marie si par exemple avec nos diocèses ou pas une collaboration clergé ça va être très difficile parce que selon le code droit canonique là Marie Lucie l'évêque a la responsabilité de célébrer la messe chaque jour pour tout monde pour toute fidèle. On n'y pas qu'à faire ça lui-même parce que n'y pas qu'à présent tout en tout côté à la fois pour le faire. Donc il est obligé de gagner paix pour qu'il fasse ça et c'est de sacrement que l'Église la vive en tant que telle. Donc à un certain moment de la durée, le où gagne un clergé qui passe ou même ligne ou bien encore qui passe sous même page avec évêque là, ça veut dire c'est gros difficulté. Donc ça veut dire la première chose que fait un évêque lorsqu'il arrive dans un diocèse, c'est de s'assurer qu'il y a une compréhension parfaite entre lui-même avec les gilles. Et à partir de ce moment, le reste peut venir. Chibine Langlois, ordonné près de 1991, de 2004 à 2011, évêque de Foi Liberté, vin évêque des Cayes en 2011, donc c'est 22 octobre 2011, et il est devenu président de la Conférence épiscopale d'Haïti. Il était sous ça. Est-ce que c'est ses pères
qui choisit comme président CEH ou bien son décision qui sortit Rome tout. Il y a une seule exception à la règle, c'est pour la conférence des évêques de l'Italie. Mm-hmm. C'est pape là qui choisit président conférence. Là. Après ça, pour toute reste conférence épiscopale qui existe à travers le monde, c'est les pères qui choisissent. Ça veut dire c'est l'évêque qui fait vote. Et puis dans le vote, le monde qui a plus de voix, et bien, lui élu président. Et puis après ça, il vient nommer l'autre monde qui prend dans sa nourrice conseil permanent. Donc ça veut dire que Chibli est quand même assez jeune. Après, monsieur François Ligonde qui était l'LTVN archevêque de Port-au-Prince dans les conditions que nous savons en 1966. Qui te gagné seulement 38 ans à ce moment-là, et puis qui te vint président conférence là, l'année suivante, en 1967, à 39 ans. Après ça, les présidents de conférence, c'est ordinairement dans la soixantaine. Comprends? Mais Chibli lui-même, il était, dans le sens ça, où tu as dit, il était président conférence là assez tôt, parce qu'il était encore dans la cinquantaine quand il a été élu par ses pères président de la conférence des évêques d'Haïti. Ça commence à aller vite pour lui là. Alors, maintenant, aller vite, l'Italie ne doit pas jamais président conférence, parce que gagner en pile responsabilité que vous assumez le président conférence. Parce que ça veut dire que. Il faut qu'on néglige, entre guillemets, un petit crasse travail qu'on fait dans le diocèse pour occuper maintenant de toute l'Église d'Haïti et surtout de la conférence et des problèmes de la conférence et des problèmes globaux de l'Église locale d'Haïti. Ça, il y a un bon évêque qui n'est pas toujours prêt pour faire. Donc, il y a deux fois, c'est un sacrifice oui, pour venir président conférence. Parce que il y a un pile évêque qui n'a pas jamais souhaité que ça tombe sous le dos. Parce que par rapport à problème que eux-mêmes vivent dans le propre diocèse, ils n'ont pas besoin de prendre l'autre problème pour mettre sous le dos. Ça, c'est une. Mais deuxièmement, il faut dire aussi qu'il y a un certain honneur. Parce que l'autre évêque, yo gado, yo wè que yo ka choisi pour représenter yo. Parce que les synodes à Rome, automatiquement, vous avez une voix. Lorsque un document sorti à Rome, c'est d'abord à la présidence que cela s'adresse. Ou bien encore, lorsque il y a une consultation de Rome, c'est toujours à la présidence que cela s'adresse. Donc ça veut dire qu'il y a un certain, pas seulement un honneur, mais il y a une certaine priorité dans le traitement des informations que le président conférence lui-même n'y gagne tout. Donc, dans ce sens, ça, eh bien, il y a un certain équilibre, je m'en ai dit. OK. Et comment expliquer l'ascension sur l'angloire? Ascension. Ça dit là, la dévalé, macho. Bon, alors, bien entendu, il y a les différents noms qui passaient en Haïti. Certainement, Bernard Dito Aoussa, nonce apostolique en Haïti, dans la période. Côté Chibli Langlois après le nommer cardinal là, certainement il était apprécié personnellement là, ça il n'y a aucun doute. Mais le Chibli après l'évêque, c'était de préférence Louis Guy Bonadzi qui était nonce apostolique en Haïti à ce moment-là. Ok, donc ça veut dire que vous avez dit deux noms ça yo, certainement vous avez gagné de très 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 bons rapports personnels avec Chibli. Ça c'est la première chose. La deuxième chose. Maintenant, il faut le dire tel quel, c'est la providence. La providence dans le sens que, comme j'ai expliqué cela dans le livre, ou pas de gain, ou t'es gagné très 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 peu de chances que gagne un cardinal haïtien et puis un cardinal en Haïti. Pour une raison simple, c'est que il faut d'abord ce qu'on appelle un siège cardinaliste. Pendant ma parler avant la Marie-Lucie, jusqu'à présent, on n'a pas de siège cardinaliste. Donc, nous seulement gagnons un cardinal haïtien sans siège cardinaliste. Okay? Donc, ce qui fait que, comme pas de siège cardinaliste en Haïti, donc, pas aucun monde qui t'a pas le mettre dans la tête, t'a pas le gagner un cardinal haïtien. Sauf si la Providence, à un certain moment de la durée, le décide par l'intermédiaire des papes Benoît et François. Pape Benoît, dans le sens que, lui-même, à un certain moment de la durée, il décide que le pape continue avec son ministère pétrinien, encore libéral, quitter l'autre monde qui est plus jeune continue de travailler là. Et François qui vient avec son propre charisme et qui décide pour rester fidèle à sa vision théologique, pour lui dire qu'il faut aller aussi vers les églises de la périphérie. Haïti, comme une petite église locale, ils sont églises de la périphérie. Donc,
dans sens ça ou capable que pape François lui-même en correspondance à problème que Haïti t'a vive en correspondance avec tremblement de terre qui t'est passé là en correspondance avec tout ça les souffrances les misères du peuple haïtien et parce que certainement tout lycée lui-même tout yon latino-américain alors le pape François a dû prendre cette décision qui selon moi est une décision du cœur. Comprendre bien Marie-Lucie, il y a un bagage. Est-ce qu'il y a précédent? Non, les précédents ont toujours existé parce que la création cardinaliste est, c'est un droit inaliénable du pape. Ça veut dire que le pape a besoin de créer un cardinal, la seule barrière qu'il a gagné, c'est qu'il va faire l'enfi. C'est la barrière. Mais après ça, le pape a le droit de décider yon n'importe moun vini effectivement cardinal. Bon, bien entendu, depuis Jean 23, il faut que moun nan paie quand même pour yon nommer le cardinal. Mais avant, on avait eu aussi des cardinaux laïcs. Donc c'est pour dire que mais c'est prérogative inaliénable que pape la gagne pour lui nommer des cardinaux. Donc il fait nomination hein, en tant que tel. Donc là ça, il pas mandé personne conseil. Ça pas veut dire il pas consulter dossier non. Il consulter dossier mais il pas mandé personne conseil est-ce que oui, il est opportun ou non opportun pour le faire un bagarre comme ça sauf si tu as gagné des problèmes politiques. Ça qu'on rivé, les ça il t'a pas créé un cardinal in pectore, ça veut dire il t'a kembé non dans quel sans le pas deal mais il crée le cardinal lui. Personne ne va connaître, lui seulement qui connaît. Et puis maintenant, si le pape la gagne doit mourir avant ça, qu'on y a pape suivant, il doit décider est-ce que oui ou non, la fait publication hein, ou bien le pape fait. Mais t'as des démons qui dit que Chibu Lagloire, ce n'est pas un cardinal. Pour Haïti, son cardinal pour région. Cette terminologie de cardinal pour région n'a pas existé. Bon, très rapidement, il faut savoir qu'il y a seulement des primats un peu partout à travers le monde. Nous sommes en Amérique, pas en Amérique latine, non, en Amérique, il y a un primat pour toutes les Amériques, c'est le siège de Santo Domingo en République dominicaine. Ça veut dire, les gens ont cardinal en République dominicaine, les gens ont préséance sur tout cardinal net qui en Amérique. Parce que c'était le premier siège épiscopal qui a été fondé dans le Nouveau Monde. C'est peut-être ça, l'ivine primat. Port-au-Prince, lui-même, c'est siège primatial pour Haïti parce que c'est le premier diocèse qui a été fondé. En France, c'est Lyon qui a été le premier diocèse fondé. Aux États-Unis, c'est normalement Baltimore. Donc, tout le monde qui est dans le siège côté première fois, c'est l'église particulière qui est érigée, il y a un siège primatial et ça a gagné quelque honneur qui est attaché à ça en tant que tel. OK. Comment le pape lui a créé un cardinal? Eh bien, pape là lui a créé un cardinal tout simplement que lui-même lui décidé tant que Paul VI dit lui ou bien lui ouais monde ça lui gain un certain nombre de qualités que toute l'église attaque bénéficier de yo ou bien yo besoin tout récompenser un monde pour travail théologie lui fait laisse ça moun ça ordinairement li kon gen 80 années déjà yon bon tant que cardinal de Lubac tant que cardinal Congar tant que cardinal Balthazar tout moun ça c'était de grands théologiens qui fait renommer l'église et théologie l'église à travers le monde entier donc qui vient entrer dans une grande tradition mais moun ça tout te gen 80 donc jusqu'à présent par exemple le cardinal Tucci lui-même il passait plus que 20 ans à coordonner tout voyage que pape Jean-Paul II a fait à travers le monde. C'était un père jésuite. Donc, à un certain moment de la durée, il a été nommé cardinal. Okay? Mais sinon, on nomme les cardinaux. Nous gagnons deux sortes de cardinaux. On va le nommer tout simplement. Les cardinaux qui sont au service de la curie romaine pour service direct pape là, ou bien les cardinaux maintenant qui sont dans des églises locales, ça veut dire qu'ils ont un diocèse déterminé et cardinal Chibli lui-même, il est un cardinal dans une église locale en Haïti. Donc, il est toujours qu'un siège comme évêque, mais sauf que quand il y a consistoire,
quand il y a des réunions à Rome, quand il y a des consultations que le pape veut faire, donc il l'appelle à Rome, ou bien quand il fonctionne lui-même à l'intérieur d'un dicaster, donc il est appelé à Rome pour faire son travail de cardinal en tant que tel. 12 janvier 2014, le pape François libère liste 19 cardinaux, et dans l'ISA, il y a l'haïtien Chibu Langlois, on se dit archevêque d'Ecaille, avec un cardinal, qui ça impliqué pour l'Église catholique. Très bien. Alors, bien entendu, effectivement, lorsque la nouvelle a été publiée, il a été publié archevêque d'Ecaille. Ça veut dire que le Vatican avait publié cela. Parce que, en fin de compte, il était pensé que c'est toujours archevêque qui a été nommé ordinairement dans les églises locales. Donc, il a été fait IOEA. Après, ça a corrigé. Mais, en fin de compte, il a corrigé l'UMT? Évêque. OK. Qu'est-ce qui différence? Normalement, entre évêque et archevêque, il y a une dignité en plus. Mais dignité, ça lui tombe automatiquement qu'on est cardinal. Parce que l'archevêque, s'il est métropolitain, ça veut dire qu'il a une circonscription géographique que nous appelons les provinces ecclésiastiques. En Haïti, nous avons deux provinces ecclésiastiques, nord et puis sud. Monseigneur Max Leroy Mésidor, il est archevêque métropolitain, mais s'il n'est pas archevêque métropolitain, il n'est pas responsable province ecclésiastique sud. Dans ce sens, ça, il y a une bonne toile qui passe dans le coul qui est le pallium. Il y a un pallium dans tout diocèse qui est dans la province ecclésiastique. Okay? Donc ça veut dire que deux Port-au-Prince arrivent jusqu'à Jérémie. Mais il n'y a pas de pallium sans s'il traversait aller Gonaïve, par exemple. Si le Kounia Gonaïve, c'est Monseigneur Loné Saturné qui est archevêque métropolitain qui jouait rôle ça. Donc, Chibli Lengua pas de jambe cardinal, pas de jambe et archevêque. Il était toujours évêque. Donc, ça veut dire qu'il n'a jamais été métropolitain. OK? Donc, il a été publié avec EOSA, on a rectifié. Donc, il était le seul évêque dans la liste que Pape a été publié, qui était divisé en deux parties. 16 qui étaient normalement cardinaux électeurs et trois qui partent électeurs, ça veut dire qu'ils étaient déjà plus que 80 années en tant que tels. Quelle importance ou bien quelle incidence sur l'Église locale d'Haïti ou bien sur le pays? C'est beaucoup de choses pour dire en très peu de temps, Marie-Lucie. La première chose, c'est qu'il y a un protocole cardinaliste. Ça a existé depuis longtemps. Le cardinal a existé dans l'Église à partir du 11e siècle. Et au fur et à mesure, au cours du Moyen-Âge, eh bien, Vingé, vraiment, il y a un protocole cardinaliste qui fait que yo mette cardinalio équiparé. Ça veut dire yo mette sous même rang avec royo, avec empereur. Donc, ça, c'est dans le protocole ecclésiastique et que c'est ainsi établi. Ça, c'est le premier bagage. Deuxièmement, le cardinal l'a établi en dans un pays. Donc, ça veut dire que automatiquement l'État décide qui ça représente pour lui et qui, publiquement, comment libéral entrer en dans protocole parle qui existe dans l'État. Presque tout pays fait ça. Troisièmement, le monde cardinal en dans un pays en tant que tel, autant qu'il y a un monde qui est capable de jouer un rôle diplomatique parce que ou gagne ou c'est détenteur d'une série d'informations que en pile monde pas gagne, d'autant plus que ou proche de yon diplomatie, l'une des plus fortes diplomaties du monde qui est la diplomatie du Vatican. En quatrième lieu, le monde cardinal nan yon pays, donc ou capable rendre service à pays ça, si pays ça mande un certain nombre de services pour la paix, et la paix sociale ou bien la paix internationale en tant que telle. Et maintenant, pour l'Église locale, c'est certainement un grand honneur parce que maintenant, non seulement on a un conseiller immédiat du pape dans l'Église locale, on a aussi un couloir et une voie privilégiée pour faire parvenir les informations à Rome. Et s'il a travaillé dans un certain nombre de dicastères à Rome, ça veut dire qu'il peut aussi porter la sensibilité ou la voix de l'Église locale jusqu'à Rome, mais directement. Mais la plus grande prérogative, c'est qu'un cardinal, c'est, tout cardinal, souhaiterait pouvoir entrer dans un conclave, c'est-à-dire pour élire le pape. Un pape pour être élu. Haïtien est très fier et le fait que bon, un cardinal, mais il y a des évêques, des archevêques, il y a l'autre autorité qui est beaucoup plus brillant
que Chibli mm-hmm. et la gloire. Peut-être si tu as un micro trop toi avant, mais qui est-ce? Et parmi les évêques qui t'as vu le cardinal, je ne pense pas que c'était un pile de monde dans le pays, ben, que ce soit haïtien, lambda ou bien monde qui dans l'église, même qui t'a dit Chibli la gloire. Est-ce que ça va te créer friction au niveau des autorités de l'église? La première chose, c'est que l'église est une institution, mais aussi un mystère de grâce. Toute bagaille qu'on pas comprendre non niveau ou cas transvaser dans l'autre niveau. Ça c'est on capable dire son réponse diplomatique, mais allons plus en profondeur. C'est que comme institution ecclésiale et ecclésiastique, l'église hiérarchique. Ça veut dire que si ou t'as gagné d'autres autorités ecclésiastiques en Haïti qui pas t'a nécessairement d'accord avec décision pape là, ça t'a doué rété directement dans fond cœur, ça t'a doué pas t'a sorti dehors du tout. Mais yo pas gagné pour yo pas d'accord tout, parce que certainement yo ka comprendre que pape là lui-même li gagne raison et raison ça a toujours emporté sous propre sensibilité. Ça c'est premier bagaille. Deuxième bagaille, je parle de une institution qui est hiérarchique, mais pas oublier que tout évêque et tout père doué obéissance aussi à l'endroit d'une décision pontificale. Donc dans ce sens ça, une décision qui prend ou pas qu'à faire un lien contre lui, ça veut dire que ce serait un peu sans sens que qu'on y a, ou bien on t'a contesté, ou bien on t'a montré ou mécontent par rapport à cela. En troisième lieu, ce qu'il faut dire, c'est que l'Église catholique en Haïti avait deux préférences acceptées de très bon cœur que gain honneur ça, parce que personne ne va t'espérer. Là, on a parlé de cardinal là pour Haïti, c'était vraiment au temps de Monseigneur Ligondé et au temps de Monseigneur Gaillot. Ça veut dire que c'est vraiment au tout début des années 1990, surtout à la faveur de la quatrième conférence latino-américaine qui t'a fait en République dominicaine à Santo Domingo en 1992, là ça t'a parlé en pile de ça pour Haïti t'es gain un cardinal et ensuite en l'an 2000 à la faveur du jubilé t'es gain en pile voix qui t'a dit est-ce que normalement surtout que Monseigneur Ligondé lui-même bien qu'il resta archevêque de Port-au-Prince, mais pas de gain administration en diocèse Port-au-Prince. Est-ce que qu'on y a Rome pas tabal ça comme une sorte de compensation? Donc c'est dans contexte ça, yo t'a parlé de ça. Donc ça veut dire que dans condition qui pas normal, yo t'a parlé de un cardinal pour Haïti. Donc dans condition normale, ça veut dire que ça vient tomber, tous les évêques en Haïti étaient très contents. Très content. Oui. Chibli Langlois est un axe fondamental à l'intérieur du livre, mais la figure du pape François est aussi importante dans le livre. Et bien entendu, la personnalisation de la conférence épiscopale sont l'autre gros morceau encore dans le livre-là. Ça veut dire que bagaille fondamentale, yo, ça veut dire auditeur, auditrice, ou bien téléspectateur, ou bien lecteur, yo gen doit certainement sentir attiré par la masse d'informations que le livre fournit. Mais si après le reste directement dans le livre-là, ça veut dire que les grandes interrogations ne sont pas sur la personne de Chibli Langlois, mais sur la conférence des évêques et par rapport aussi à une question fondamentale pour moi, qui est la question du magistère. Président Martelly, il était déclaré qu'il était joué un rôle et dans le fait que Chibli Langlois est venu et cardinal, il était allé à Rome, il était mandé ça et au pape. Et, mais dans le livre-là, on dit que ça, c'était décision pape-là ou autorité politique pas capable d'influencer et pape-là dans ce sens-là? Non. Non. Ça veut dire que dans l'Église catholique, on a éliminé totalement cette affaire depuis le pape Pie X. Ça veut dire le fait que normalement, ou gagne un cardinal que yon état lui-même n'est capable de proposer, surtout que ou capable de gagner la loi du veto. Non, bagay ça disparaît net dans l'Église. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune influence
externe ou extérieur dans la création cardinaliste. Pour une raison simple, c'est que pape là pas mettre personne au courant de ça l'a fait. Même ses conseillers, même ses collaborateurs, même ses secrétaires, ils ont pas au courant. Ou dit dans le livre là, Chibu Langwa allait recevoir des distinctions d'autres pays et non pas d'Haïti. Ben, c'est un constat. Mm-hmm. Bon, pour qui ça Haïti pas fait? Parce que Haïti pas trouvé le nécessaire pour le faire. Bien entendu, tant qu'on dit en anglais, c'est un big achievement, les hommes rivés. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière un cardinal? C'est le fait qu'on a quelqu'un qui a accès à des informations privilégiées au niveau mondial. C'est ça que ça veut dire. Parce que le pape a une diplomatie si active que toute question importante sous planète là, y est traitée au Vatican. Or, le cardinal est appelé à être consulté sur toutes ces questions si le pape le juge nécessaire. Ça, c'est un. Et tout à l'heure, je t'ai dit que ensuite, là où garder yon conclave, côté, normalement, c'est un petit groupe très sélect de gens sur la Terre, sur la planète, qui peut entrer là-dedans. Et puis, vous devez voir que vous avez un gros pays qui n'a pas même qu'à rentrer, et puis vous même. Si Haïti comme un petit pays qui a un cardinal qui a rentré dans n'importe conclave à n'importe quel moment de la durée, ben vous dites tout qu'il y a un certain honneur pour yon bagay comme ça. Bien entendu, c'est toujours yon hypothèse parce que yon cardinal qui doit passer toute la ville, il n'y a pas jamais entré en conclave. Gardez tout le temps que Jean-Paul II fait comme pape, plus que 27 ans. Donc ça veut dire les cardinaux qui ont été nommés par le pape Paul VI et puis maintenant, depuis par exemple 1960-70, eh bien, ils ont pu le passer toute la vie, ils ne peuvent jamais entrer en conclave. Ça veut dire maintenant, tous ceux-là qui sont entrés en conclave pour élire hein, le pape Benoît XVI, c'est des mouns que Jean-Paul II lui-même était nommé. Donc ça veut dire qu'il doit passer 20, 25 ans, même 30 ans comme cardinal et pour ne pas jamais entrer en conclave. C'est un grand honneur de entrer en conclave. Le cardinal, il souffre de ça? Le fait qu'il ne va recevoir aucune distinction des autorités ici. Non. C'est-à-dire, c'est juste vous-même qui soulignez ou bien c'est moi qui écris, okay. C'est pas lui. Dernière question et pour une finie. Depuis les négociations de El Rancho, et cardinal et Langlois ont joué un rôle important. Nous, à l'Église, là, elle était très loin de la politique alors que la crise là l'a corsée de jour en jour. Non, l'Église Barre était très loin de la politique. Dans le sens général, dans le sens particulier. Ça veut dire que l'Église l'a décidé que normalement, les papes font même expérience, même genre encore. Okay. Les papes font même expérience, même genre. Les papes font expérience, mais pas même genre. Les papes peuvent toujours faire d'autres types de médiation, mais pas même genre. C'est-à-dire l'Église est toujours là disponible pour le peuple haïtien. Ça, parce c'est la première chose. L'expérience a été malheureuse. L'expérience n'a pas été bien reçue, c'est-à-dire la réception de l'expérience d'El Rancho n'a pas été une expérience valorisée comme cela se devait. Et ou même qui t'a suivi Bagay Sayo Marie-Lucie comme journaliste, ou comprendre que il y a ou bien il y a eu mal donne sur yon Bagay pour moi-même qui simple. L'Église était médiatrice pour mettre les acteurs ensemble, pour ces acteurs qui ont décidé à faire, c'est pour te pour faire suivre à faire. Ah voilà que ils ont fait affaire, ils ont décidé de puis mettre le sous de l'Église. Donc ça veut dire que bon, bien entendu, on peut dire que ah c'est Haïti, non. Mais ça ne fait pas que l'Église renonce à sa responsabilité d'accompagnatrice du peuple de Dieu. Ça ne fait pas que l'Église renonce au fait que c'est toujours chrétien, chrétienne qui c'est haïtien, haïtienne, et donc qui c'est citoyen, citoyenne. Et bagay ça, l'Église pape jamais qu'à mettre l'entre parenthèse. Merci, Patrick Harris. C'était un plaisir. Voilà, Monseigneur Patrick Harris, pour cette émission spéciale, nous avons parlé de Chibli Langlois. Monseigneur Patrick Harris qui écrit livre ça, titré Chibli Langlois, cardinal haïtien pour l'Église, et publié en 2019 fait par les ateliers Saint-Benoît. Merci tout le monde qui t'a suivi émission ça. Au micro, Marie-Lucie Bonhomme. Déjà, bon vendredi saint et joyeuse Pâques à toutes et à tous.